tonner. L'hymne sacré de votre solidarité. Excellence, monsieur le gouverneur, ici représenté, sur l'appel de la mobilisation générale lancée par le président de la République, son excellence, le ministre de la Justice, et la constitution de la République démocratique des valeurs, à ses articles 26 et 63, nous, étudiants et étudiants congolais, réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo, restent assis. Avons organisé cette marche pacifique sur toutes les tendances du territoire national pour répondre à cet appel afin d'exprimer notre soutien indéfectible à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et notre solidarité à notre patriote, camarade président et étudiant de la partie est de notre pays. Nous avons comme thème du jour mieux vaut perdre une journée de cours que de perdre une portion du temps. Et international, et bien focaliser les attentions sur la situation de la guerre agressive faite par le Rwanda, l'Ouganda et ses alliés à l'égard de notre pays par les canards de plusieurs groupes rebelles à l'Europe. Les M23, les ADF, les Mboyara, les Américains et les autres mouvements de l'Europe. Il n'y a pas une guerre ordinaire, mais c'est une guerre atypique. Car il n'y a pas un groupe adverse sur une même ligne, mais soutenu par nos pays voisins, dont nous avons cité le Rwanda, l'Uganda et sous l'appui des multinationales. Ainsi, pour faire face à cette calamité, nous demandons l'implication de tous les citoyens congolais, en particulier tous les étudiants de la République démocratique du Congo, car nous voulons la paix. Les candidats du Front National. À l'égard de tout ce qui précède et de la gravité de la situation sécuritaire de notre pays, la coordination professionnelle des étudiants du Front National recommande ce qui suit. 1. Que le président de la République, chef de l'État, garant de l'indépendance de la nation, symbole de l'unité, commandant suprême des forces armées, puisse bien remplir son devoir d'assurer la paix et la sécurité intégrale sur toutes les familles de la nation, tout en procédant à des réformes intégrales que le gouvernement congolais met à la disposition de l'OFADC des moyens nécessaires pour la défense et l'intégrité du territoire national, contre les menaces internes et externes, mais aussi améliorer leurs conditions de vie à travers la hausse du budget de la défense. Que la population puisse d'une vigilance totale pour dénoncer toute forme d'agression, et sauvegarder l'unité nationale, car il s'agit de notre pays, la RDC, terre de nos ancêtres, notre terre et la terre de nos générations futures. Excellence, monsieur le gouverneur de province ici représenté, par tant de nos recommandations, nous appelons à l'implication du président de la République,
chef de l'État et son gouvernement d'appliquer toutes mesures préventives contre les menaces externes tendant à la balkanisation de notre pays. La RDC devait un caractère uni et indivisible. Excellence, monsieur le gouverneur de province ici représenté, la coordination provinciale confirme notre engagement et détermination à défendre la guerre de nos ancêtres et prend à témoin la communauté internationale et informe à l'opinion du monde entier que le moment est venu pour nous, le peuple congolais, de défendre l'intégrité du territoire national, car la paix est notre souverain. Pour le bien-être de la population et le gouvernement. C'est qu'au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province, aujourd'hui même votre mémo à l'autorité suprême du pays. Le gouvernement de province, par ma bouche, demande à ce qu'à travers vous, étudiants, demande à toute la population du Haut-Ouélé de se mobiliser, de soutenir nos forces armées par des prières. Soyez mobilisés derrière son excellence, monsieur le président de la République.